Alors, à l'Aurora, le signalement jacquière est très compliqué. Donc du coup, bien évidemment, on s'est perdu. Et donc, histoire de rattraper le coup, on coupe au travers champ. Le meilleur moment de la journée. Bon, aujourd'hui, pour entamer ce deuxième mois, et ben, je suis parti de San Domingo de la Calzada. Et pour une étape de 20 km vers Bellorado. On a déjà traversé plusieurs villages. Ce matin, je me suis levé à 7h30 pour partir à 8h. Dans l'espoir de trouver quelque chose à manger, on a continué, encore et toujours. Pendant 7 km, on n'a rien trouvé. Et moi, j'avais les crocs. Vers 5 km, on a commencé à voir le village, le premier village. J'ai tracé, mais comme j'ai jamais tracé de ma vie, j'ai distancé mes camarades. Au final, je me suis arrêté dans le premier bar. J'ai pris un déjeuner, le meilleur de ma vie. Un petit verre de jus d'orange, le jus d'orange extraordinaire. Après le café con leche en Espagne, c'est un délice. Et après une chocolatine, mais version espagnole aussi, enfin juste trop bon. Agrémenté de petites friandises que j'avais dans mon sac, du chocolat blanc, du chocolat au lait avec des biscuits, du pain de mie avec du sirop d'agave. Je connaissais pas et c'est vachement bon. Je me suis repris un gros verre de jus d'orange, mais waouh, c'était trop bon. En contrepartie, j'ai tellement bien mangé que... après bah, c'était dur de repartir. En fait, après je m'étais posé sur la table en train de lire un livre. J'ai dû avoir un micro sommeil de 10 secondes. Du coup, quand on est reparti, bah, j'étais limite en train de dormir en marchant. Quoi. Mais je suis en train de marcher frais et bien portant, en train de marcher vers Bellorado. Et voilà, je suis enfin arrivé à Bellorado. Après une vingtaine de kilomètres, maintenant il faut trouver l'auberge. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, étape moyenne de 24 km. 23 km 9 pour être exact. Ce matin, nous sommes partis de Bellorado à 9h. Après le vent frais,
un ciel gris du matin. Et bah, il y a les montées et la forêt. Ah putain, ça faisait longtemps que je n'avais pas franchi des montées. Et ça fait du bien, mais c'est fatigant. Donc là, à vol d'oiseau, je devrais être à une dizaine de kilomètres de Santa d'Ortega, là, je sais plus trop la ville. Là, on a beau être l'après-midi, je suis un peu rouillé là. Les montées, là, je m'y attendais pas. Vivement Burgos, hein. Là, on se fera un jour de repos. Et bah, il y aura Willy qui nous accompagne depuis peu, qui partira. Mais aussi Joe, l'allemand. Vu mon état de fatigue là, je suis. Ouais, je sais pas quand est-ce que j'arrive. Mais impossible n'est pas forcé. Vous voyez sur le chemin et des petites surprises comme ça, un cœur fait en pierre avec un joli sourire. Des choses qui réchauffent le cœur. Et c'est un petit truc que je voulais vous partager. Enfin, c'est des petites choses sympas qu'on retrouve sur le chemin. Par exemple, sur les rambards, il y a marqué Buen Camino, plein de choses comme ça. Donc, c'est l'un des attributs qui fait que je conseille à tous ce pèlerinage. Voilà. Après le cœur de pierre, il y a une sorte de d'arbre visage qui nous accueille. Un pèlerin, des totems. Ça en fait des directions. Voilà une table pour boire l'apéro. Avec une belle peinture. Un totem, d'autres pèlerins, d'autres tables. C'est vachement sympa, hein. Et voilà, enfin arrivé. J'en pouvais plus, hein. Après un chemin boisé interminable, je suis enfin arrivé à San Juan de Ortega. Le temps commençait à se gâter, là, le ciel est devenu un peu gris. J'ai senti quelques gouttes, donc je pense qu'il est temps que j'aille à l'auberge. Allez, ciao. Oui, difficile. On a tout là. On a la pluie, le vent, le froid, les montées, la gadoue.